Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'UOMOA félicite la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de ses réformes communautaires. Le pays a enregistré un taux de 85,5% en 2023, un bilan satisfaisant pour le gouvernement. Coup d'envoi de la 18e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Le thème cette année, la conduite par temps de pluie et les précautions à prendre. Et puis en Mauritanie, 3 personnes sont mortes après avoir été arrêtées lors d'une manifestation de l'opposition contestant la réélection du président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. L'opposant Biram Darabaid appelle le gouvernement à négocier, vous le verrez. Grosse satisfaction pour la Côte d'Ivoire. L'UMOA adresse ses félicitations au pays pour ses efforts dans la mise en place des réformes communautaires. En 2023, un taux de réalisation de 85,5% a été atteint, un bilan qui réjouit le gouvernement ivoirien. Les détails de Nadja Edja et de Mardoché Kouassi. Pour l'année 2023, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de mise en œuvre des réformes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 85,5%. Un bilan satisfaisant dans la grille d'évaluation de la commission de l'UOMOA en termes d'application et de transposition des textes communautaires. La revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UOMOA est la manifestation de la volonté des États de faire de l'intégration régionale une réalité. Cette revue permet également d'améliorer significativement la compétitivité et l'attractivité des pays de l'Union, et ce faisant, elle permet de développer le potentiel de croissance économique nécessaire à la création d'emplois. Les résultats de cette évaluation ont été remis cet après-midi au Premier ministre, chef du gouvernement Robert Bekremembe. Occasion saisie par le président de la commission de l'UOMOA pour féliciter la Côte d'Ivoire pour ses performances dans les 3 composantes de la revue, que sont la convergence économique et gouvernance, le marché commun et les réformes sectorielles. Ce qui est remarquable dans cette performance de la Côte d'Ivoire, sur ces 3 composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Dans chacune des composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Donc ce qui signifie, disons, un mouvement d'ensemble, une homogénéité dans la performance. Donc je pense que c'est ce que nous recherchons dans tous les États de l'Union, qu'on ait des performances qui soient cohérente, harmonisée, pour que cela ait plus d'entrain, plus d'efficacité dans ce que nous voulons faire en matière, d'intégration. La phase politique de la revue annuelle des réformes, politiques, projets et programmes communautaires de l'UOMOA se tient tous les 2 ans, conformément aux recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La revue technique, quant à elle, se tient chaque année et permet d'élaborer un mémorandum. Et puis des collaborateurs, des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine participent à une formation pour faciliter la médiation institutionnelle dans l'espace. Une formation de 3 jours qui intervient dans un contexte régional difficile, comme nous le rapportent Daniel Kadjo et Kim Werik dans ce reportage. Bienvenue en terre ivoirienne à l'ensemble des délégations. Ils sont des dizaines à être venus de 6 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire. Objectif, approfondir leurs compétences en tant que collaborateurs des médiateurs des pays membres de l'UOMOA. Organisation réunissant en tout 8 pays membres autour d'une monnaie commune, le franc CFA, et dont le rôle est notamment de favoriser une libre circulation des personnes, des capitaux et des biens dans la sous-région. La rencontre de ce jour s'inscrit dans la volonté continue de notre association de renforcer les capacités de ses collaborateurs à travers les partages d'expériences. Cette rencontre survient dans un contexte régional tendu, impacté par plusieurs crises socio-économiques et sécuritaires qui, selon l'UOMOA, rend de plus en plus difficile l'accomplissement de sa mission auprès des institutions. L'organisation, pourtant habituée aux tensions, tente maintenant de maintenir l'union après notamment la succession de coups d'État et de sanctions à l'encontre de certains pays.
Nous sommes à la croisée des chemins très incertains et peu rassurants, tant beaucoup de défis menacent à la fois notre association commune et nos institutions respectives. Durant ces 3 jours de travaux, les collaborateurs pourront notamment partager leurs expériences, analyser la situation actuelle et proposer des recommandations aux médiateurs. Nous avons besoin de leur contribution. Notre région est secouée par beaucoup de crises, raison de plus pour renforcer leurs capacités et afin que, même en cas d'incapacité ou d'empêchement des médiateurs, ils puissent continuer le travail. L'UEMOA élabore par ailleurs un plan d'action en vue de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en 2025, afin que celle-ci se passe dans un climat apaisé et sans violence. Nous sommes nombreux à emprunter nos routes chaque jour et la pluie peut rendre ces trajets beaucoup plus dangereux. De ce fait, l'Office de sécurité routière a procédé ce mercredi au lancement de la 18e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière avec pour thème la conduite par temps de pluie. Quelles précautions à prendre? Le constat de Mardoché Kouassi, Olivier Abimana et Zekré Joseph. Je déclare ouverte la 18e édition des semaines de sécurité routière dont le thème très évocateur d'actualité est conduite par temps de pluie, précautions à prendre. C'est par cette déclaration du représentant du ministre des Transports qu'a été donné le coup d'envoi de cette campagne qui se tient après un mois de juin, marqué par de fortes précipitations. Ces pluies diluviennes ont fait plusieurs morts, dont certains piégés dans des véhicules. Cette semaine de sensibilisation, qui s'achève le 10 juillet, portera sur les comportements adoptés par ces temps de pluie et sur l'entretien des véhicules. En 2023, malgré que de façon progressive les accidents baissaient, à la période de pluie, il y a eu une augmentation de ces accidents. Ça veut donc dire que c'est un phénomène qu'il peut considérer. Nous allons donc accentuer les actions qui avaient été entreprises auparavant. Nous allons rentrer dans les gares, c'est les points de départ donc des véhicules de grande capacité. Nous allons aller vers les entreprises pour parler à certaines personnes. Nous allons beaucoup parler aux motocyclistes pour attirer leur attention sur les comportements sécuritaires en temps de pluie. Les représentants des transporteurs se sont dit prêts à tout mettre en œuvre pour relayer le message auprès des acteurs du secteur. En ce qui concerne le Haut Conseil, nous continuerons de prendre toutes les dispositions, toute notre place, pour que le transporteur, le chef d'entreprise, le gestionnaire d'entreprise, le conducteur routier, quel que soit le mode de transport, puisse continuer à observer le code de la route. Si le respect du code de la route reste un élément essentiel de la sécurité routière, les contrôles réguliers du véhicule sont tout aussi importants. La vie des conducteurs et autres usagers de la route est à ce prix. La préfecture d'Abidjan et le district autonome d'Abidjan se sont engagés à contribuer au succès de cette campagne. Dans l'actualité politique, dans la région de la Mée, la déléguée communale du PDC-RDA Dakoupé, en poste depuis 2017, Valérie Yapo, a démissionné. Pourquoi? Les explications dans ce récit de Tim Edangé. Le malaise au sein de la délégation du PDCI a coupé, désormais sur la place publique. En première ligne, la déléguée communale depuis 2017, une première responsable locale du vieux parti, vent debout contre la nomination d'un cadre transfuge d'un parti adverse. Une promotion imputée, selon elle, à un mauvais casting. Si on veut nommer des gens, il faut nommer des militants. C'est écrit dans nos thèses, des personnes sincères, des personnes loyales, des personnes fidèles. Ce mauvais casting crée la division chez nous. Je n'accepterai pas cette injustice de plus au PDC-IRDA sur ma personne. Courrier d'interpellation de la direction du parti, sans suite brandi, l'ex-membre du secrétariat exécutif d'y être contrainte de mettre fin à ses fonctions. Au vu de tout ce qui précède et face aux lourdes menaces qui pèsent sur mon intégrité physique, j'ai pris la résolution, après mûre réflexion, de déposer ma démission de poste de délégué communal du PDCI RDA de la commune d'Akoupé pour ne pas me rendre ni complice ni coupable des revers électoraux à venir. Quoi qu'elle décide de quitter le parti, Valérie Yapo appelle ses soldats dans la commune d'Akoupé, notamment les secrétaires de section et les présidents de comités de base, à demeurer fidèles et loyaux au parti.
Et l'actualité, c'est aussi la Chambre de commerce et d'industrie qui organisait en partenariat avec une entité privée une rencontre pour présenter les opportunités en Chine et promouvoir un forum d'affaires prévu en octobre dans ce pays d'Asie. Le reportage de Nadja Eja et de Sheikh Bluff. Le potentiel chinois présenté aux opérateurs économiques ivoiriens à l'occasion de cette rencontre d'information sur le forum d'affaires qui doit se tenir dans ce pays asiatique au mois d'octobre. Un moment d'échange qui a permis d'en apprendre plus sur les opportunités. C'est une occasion pour les participants à cette fois-là de découvrir le savoir-faire chinois, de découvrir les nouveautés en termes de matériaux électroniques, en termes de matériaux électriques, pour découvrir l'usine du monde, pour ramener en Côte d'Ivoire le savoir-faire chinois. La Chine a beaucoup à offrir en termes de produits à la Côte d'Ivoire pour l'aide au développement de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'automobile et dans plusieurs autres domaines. Pour la Chambre de commerce et d'industrie, c'est une belle occasion à saisir pour ces entrepreneurs. Plus longtemps, nous avons demandé aux entreprises d'aller à l'information pour essayer d'améliorer leur compétitivité à l'international. Donc ça sera une lucarne pour eux d'aller rencontrer des partenaires chinois et de tisser des partenariats d'affaires afin de développer leurs activités, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional et international. Cette rencontre vise par ailleurs à renforcer la coopération sino-ivoirienne. La Chine est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, avec un volume d'échanges estimé à 4,46 milliards de dollars. Et puis pour les amoureux de bonne cuisine, notez-le bien dans vos agendas. Le Festival des Grillades vous attend du 10 au 11 août à Grand Bassam, puis du 7 au 8 septembre à Abidjan pour savourer les spécialités du terroir. Le reportage de Kassim Diabaté et de Zekré Joseph. Comme à l'accoutumée, le Festival des Grillades remet le couvert. Ce rendez-vous gastronomique célèbre la richesse et la diversité du patrimoine culinaire ivoirien. Placé sous le signe de l'innovation et de l'excellence, cette 17e édition du plus grand rendez-vous gastronomique en Côte d'Ivoire se tiendra du 7 au 8 septembre au Palais de la Culture d'Abidjan. Grâce à ce festival, nous avons fait connaître un gros pan de la culture culinaire de Côte d'Ivoire. On va commencer par le festival des grillades de Grand Bassam les 10 et 11 août au stade municipal de Grand Bassam. Alors après, on a la soirée en avant-première du festival des grillades, la Grey Night, qui est une soirée barbecue VIP, donc le 5 septembre, à l'Atri Events. Ensuite, on atterrit au Palais de la Culture pour le 17e festival des grillades d'Abidjan, où on attend 50 000 festivaliers sur 2 jours. Au-delà du festival de Grand Bassam, qui est à sa 3e édition consécutive et prévue du 10 au 11 août, l'édition 2024 connaîtra moult innovations. Le forum existait déjà l'année dernière. Il a été introduit en 2023, mais dans une forme un peu réduite. Donc cette année, ce forum prend la forme d'un salon. Il ne change pas de dénomination, mais c'est un salon de l'alimentation. La grande innovation, je veux dire, c'est ces deux nouvelles destinations qui s'ouvrent au Festival des Grillades d'Abidjan. Plus de 50 000 festivaliers et plusieurs restaurateurs sont attendus de tous les horizons. Ce moment et lieu permettront aux Ivoiriens d'apprécier les mets locaux et offriront également une opportunité économique pour les différentes localités ciblées. Créé en 2008, le festival a connu une expansion fulgurante, devenant aujourd'hui une empreinte indélébile dans le pays. Au-delà du ciel indigo ivoirien, le Festival des Grillades tente de conquérir d'autres cieux en Afrique et en Europe, notamment à Dakar et Paris, dans les prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, en Mauritanie, 3 personnes sont décédées hier après avoir été arrêtées lors d'une manifestation de l'opposition contestant la réélection du président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. L'opposant Biram Darabed appelle le gouvernement à négocier. Les précisions de Pierre Dipomela. L'opposant mauritanien Biram Darabed appelle le président Ghazouani, tout juste réélu, à un dialogue sincère suite aux manifestations qui conteste la victoire du président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette protestation, qui s'est vite muée en affrontement avec les forces de l'ordre, a coûté la vie à 3 jeunes manifestants au sud du pays. La crise qui s'est installée maintenant à cause de leur vol, ils ne peuvent pas résoudre la crise par la répression aveugle, par les massacres contre les jeunes pacifiques. Ils ne peuvent résoudre la crise que par un dialogue
entre nous et eux. Un dialogue serein et nous sommes prêts. Et nous leur tendons la main pour le dialogue. Les arrestations étaient brutales et gratuites contre une jeunesse qui manifeste de manière pacifique pour ses droits à des élections libres et transparentes, pour ses droits à avoir où sont leurs cartes de vote. Cette violence par laquelle le pouvoir a traité ces manifestations pacifiques dénote que c'est un pouvoir qui n'est pas élu, que c'est un pouvoir dictatorial imposé par la fraude et la force brute contre la volonté des populations. Biram continue de refuser le résultat de ce qu'il a appelé une mascarade électorale et appelle à la mobilisation de ses partisans. Nous réaffirmons devant le pouvoir, à la face du pouvoir, que nous refusons et continuons à refuser le résultat de cette mascarade électorale. Si leur seule réponse, c'est de faire tuer les gens, ils n'ont qu'à continuer. Mais en tout cas, ceci dénote de leur échec total, ceci dénote de leur impopularité. Je vous dis aux jeunes, à tous les Mauritaniens, de rester debout, de rester vigilants, de rester mobilisés, de rester solidaires, solidaires avec les morts, solidaires avec les détenus, solidaires contre la fraude, rester debout et manifester pacifiquement. La Mauritanie a connu une succession de coups d'État de 1978 à 2008, avant que l'élection de 2019 ne marque la première transition entre deux présidents élus. La Commission électorale nationale a déclaré lundi Ghazouani, 67 ans, vainqueur de l'élection avec 56,12% des voix. Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.